Lui pour Cancelo, les joueurs de l'équipe de France ont eu le temps de se positionner avec maintenant ce ballon récupéré par Carvalho et Bruno Fernandes. 31 minutes de jeu toujours 0-0 et encore une grosse occasion pour l'équipe de France. Cette fois-ci c'est la transversale qui sauve Rui Patricio. Suisse-Espagne, il y a eu un but, Morgan Morey. Oui, un but pour les Suisses, Freuler, un débordement d'Embolo sur le côté droit, la passe pour Freuler, reprise instantanée du pied gauche, il vient tromper le portier espagnol. 31e minute à balle, 1 pour la Suisse, 0 pour l'Espagne. Dans le même temps, 32e minute, 1 partout entre l'Allemagne et l'Ukraine. Dans cette poule 4, 3 équipes sont ex aequo avec 7 points. L'Espagne, l'Allemagne et l'Ukraine. Le stade de la Luz, Portugal-France, on a dépassé la demi-heure, Jeannot. Et on revoit le coup franc de la part, et c'est la tête de Martial, hein, qui est sur la transversale, hein, avec le mouvement à trois amené par Varane, la remise avec la tentative acrobatique de Rabiot qui finit sur la tête de Rabiot, la transversale. Pardon? Non, t'avais vu que c'était la tête de Martial. Non, pas d'en haut, pas en vitesse réelle. Très honnêtement, je vais pas te raconter des salades. De là où on est tout à fait en haut, c'était pour moi la volée de Rabiot avec le rebond. Et finalement, c'était la tête de Martial qui est venue heurter la transversale, le corner, avec la frappe derrière de Bruno Fernandes. Il veut la mettre dans la surface de réparation. Elle est détournée par Pavard. Ce sera un corner pour l'équipe du Portugal. Cristiano Ronaldo qui réclame un penalty là, qui demande à monsieur l'arbitre de voir un peu les défenseurs français qui ceinturent trop, selon lui, les attaquants. En portugais, on vient de voir Fernando Santos demander à son équipe de remonter à chaque fois. Il trouve que depuis quelques minutes, les Portugais jouent trop bas sur le terrain. Le pauvre, il peut rien faire, Ronaldo, là. Il est ceinturé, t'as raison, Loïc. C'est très le dur. Corner avec le Portugal pour frapper ce ballon de la droite vers la gauche avant le but d'Hugo Lloris. Le corner qui va être frappé par Bernardo Silva vers la surface de réparation, vers le point de penalty. Non, on va le jouer finalement en deux temps. On cherche le premier poteau, le ballon dégagé de la tête par Pogba. Récupération de balle de Varane avec Antoine Griezmann. C'était Bruno Fernandes qui avait tenté de la mettre dans la surface de réparation avec Coman. Peut-être une contre-attaque de l'équipe de France avec ce ballon récupéré par Martial, remisé par Coman. Kanté qui va renverser le jeu complètement à l'opposé sur la droite avec Varane qui va aller faire l'effort de passer la ligne médiane vers Varane qui se retrouve face à Joao Félix qui pousse ce ballon sur sa droite encore avec Pavard qui revient derrière avec Pogba pour Griezmann. On renverse encore le jeu et on va insister avec Lucas Hernandez, avec Coman qui a permuté, qui est à gauche maintenant, Coman qui crochette, Coman qui revient dans l'axe, il va aller chercher Martial, le ballon dégagé de la tête par Fonte. Ce sera une touche pour l'équipe de France et pour Lucas Hernandez. 34 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0. 3 grosses occasions pour l'équipe de France et surtout cette transversale qui sauve Rui Patricio sur la tête de Martial dans la combinaison du coup franc frappé par Antoine Griezmann. Lionel, avantage France pour l'instant, hein, quand même. Hein. Ouais, bien sûr, mais attention au contre quand même portugais parce que ça va très vite, il se projette très vite vers l'avant. Mais la France a le monopole du ballon. Petit bémol, je trouve, quand Griezmann décale, décroche un peu, vient chercher la balle dans le milieu, je trouve qu'il ralentit trop le jeu pour aller d'un côté sur l'autre. Il faudrait qu'il joue en une touche de balle, ça serait beaucoup mieux. Il a les capacités de le faire. Il joue bas aussi, hein. Il vient chercher un peu trop bas, un peu trop bas, ouais. Je trouve un peu trop bas et du fait qu'il est bas, tu vois, il contrôle, la balle s'arrête et il enchaîne après. Normalement, il doit former un duo avec Martial quand même. Avec Martial et on le voit pas trop. Le plus souvent possible, là, il est trop loin. Ouais. Le ballon dans le camp de l'équipe de France avec Lloris. La relance au pied, sortie de sa surface de réparation pour aller s'appuyer sur Raphaël Varane avec Rabiot qui est à droite maintenant, qui récupère le ballon. Devant lui, Carvalho, il va s'appuyer sur Pogba. Pogba qui va renverser le jeu à droite pour insister avec Pavard. Pavard qui s'appuie sur Rabiot. Ça bouge beaucoup avec Pogba. Pogba pour Pavard. Le bon ballon le long de la ligne de touche. Pavard immédiatement, peut-être avec Coman. On a laissé filer. Précipitation de la part de Martial. Dommage, parce que Coman avait bien joué le coup en laissant filer. Derrière lui, Martial avait compris qu'il fallait la mettre sur Coman, sauf que la passe n'a pas suivi l'idée. Le ballon a été dégagé par Rui Patricio pour aller s'appuyer sur le côté gauche, sur Guerrero, ballon sur Carvalho, relayé par Joao Félix. Cancelo, attention, on a renversé le jeu avec la montée de balle et Cristiano Ronaldo qui est allé sur le côté droit avec Bernardo Silva qui est dans l'axe. Cristiano Ronaldo qui va être face à Hernandez, le centre et le ballon qui est dévié par Kipembe. Corner à suivre derrière pour
le Portugal. Corner de la droite vers la gauche en regardant le but de Lloris. Non, c'est pas Cristiano Ronaldo qui va le frapper. C'est Bernardo Silva ou peut-être comme tout à l'heure en deux temps. Attention, faut se retourner. Antoine Griezmann parce que ça peut jouer vite. Ouais, ça a failli jouer c'est très vite entre. C'est deux fois qu'il le joue à deux. Hein. Ouais, Bernardo Silva qui va finalement laisser le ballon à Bruno Fernandes pour frapper ce ballon avec le pied droit. Ça va être donc un corner sortant au point de pénalty. Ruben Dias est monté, Font également. On va chercher la tête de Danilo. Et ça passe à côté. Ça passe devant le but d'Hugo Lloris sur cette tentative. Et peut-être un petit ascenseur quand même sur Rabiot là de Danilo. Ah oui, parce que demande Didier Deschamps le sélectionneur. Bah ah ouais, oui. Minimum quand même. Ah, il est énorme. Enfin, il y a beaucoup de foot française également sur l'autre coup de pied arrêté avant. Ouais, mais on s'en fout, on notamment sur Ronaldo. 0-0 donc. Hein. C'est qui leur numéro 6 là au Portugais? Il est pas mal, je trouve. Il joue pas à son poste, le mec là, Danilo Pereira. Je sais pas, mais c'est pas mal hein, pour un défenseur. Non, le 6 c'est Font. Il est passant. Oui, mais leur numéro 6. Celui qui joue en poste de numéro 6 là. C'est non, mais je faisais exprès. Hein. C'est un accident. J'avais compris ton allusion. Hein. Je te rassure. Martial au deuxième poteau, peut-être pour récupérer ce ballon venu de la gauche avec Rabiot. Ah, c'est que tu voulais pas me donner également. Raison, c'est pour ça. Les gars, dans un instant, j'ai votre avis sur le début de match d'Anthony Martial. Pour l'instant, pas très heureux. Je veux qu'on en parle avec vous, messieurs, parce que si les Bleus sont bien, Martial me semble un peu moins bien dans cette grosse première demi-heure. Ouais, face c'est vrai qu'il y a des transversales. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais, et puis les occasions manquées. C'est mal joué. Cette action-là, ils ne peuvent pas la faire à une touche, donc contrôler. Jeannot, c'est pas que la transversale de manière générale. Je m'amuse. Ah, je d'accord, m'amuse. Je crois que tu n'étais pas d'accord avec moi. Il est taquin. Il a été taquin tout le séjour. Oui, pareil, on m'a dit ça. J'ai beaucoup de retours. Les Portugais n'ont pas trop apprécié la présence de Jeannot au Portugal. Là, il est un peu taquin. On tout a ça. Été confinés, tu sais, donc bon. Hein. Ouais, on n'a pas bougé. T'as morflé, Louis. On a pu aller au restaurant hier soir, c'est vrai. C'est pas vrai. Contrairement. Ah oui, c'est un restaurant sauvage jusqu'à 23h. Quelle chance, messieurs. Quelle chance. C'est le temps d'avant, l'époque d'avant, ça. Ouais, mais là, c'est le dernier match de l'année 2020, je te rassure, à l'extérieur, en tout cas, des frontières françaises. Attention avec ce ballon côté gauche, Cristiano Ronaldo face à Pavard, passement de jambes une fois, deux fois, obligé de revenir derrière lui avec Bruno Fernandes, qui va chercher la tête de João Félix, c'est bien fait, de la part de l'attaquant de l'Atlético, et ballon capté sans problème par Hugo Lloris. 38 minutes de jeu, nous sommes à 7 minutes de la fin de la première période. Allemagne-Ukraine, Morgane Maury, très rapidement le temps, le score s'il te plaît. 38e minute, l'Allemagne qui prend la tête du match et de la poule avec un but sur une tête de Werner après un superbe contrôle et un centre de Léon Goretzka. 38e minute, 1-0 pour la Suisse face à l'Espagne. Allez, la fin de la première période en intégralité sur RMC, bien sûr, dans un instant. 0-0 après, 39 minutes de jeu, à tout de suite. RMC Football Show, Portugal-France. Nicolas Jamin. Quelle occasion pour l'équipe de France. Mais quelle action rondement bien menée avec Antoine Griezmann qui récupère le ballon à droite, qui va servir Lucas Hernandez, qui lui fait un centre millimétré devant Font et battu. Martial tacle le ballon et c'est encore Rui Patricio avec son épaule gauche qui, à la manière d'un gardien de but de handball, eh bien rejoint bras, jambes pour aller stopper cette action de la part de Martial qui, en plus, dans son élan de ballon taclé, continue sa course et va heurter le ventre avec les crampons de Rui Patricio. C'est lui l'homme du match pour l'instant. 41e minute, encore une fois Rui Patricio, tout à l'heure sauvé par la transversale, c'était à la 31e minute. À la 12e minute, il gagne un premier duel face à Martial, il détourne un ballon frappé par Coman à la 10e minute qui allait prendre la direction de salut carne gauche, et là encore une fois il sort devant Anthony Martial sur ce centre magnifique de Lucas Hernandez, et pourtant il y a toujours 0-0. Le désarroi d'Anthony Martial qui est resté couché hein, après cette action, qui a dû se dire mais c'est pas possible ce soir, je suis maudit. Trois occasions franches pour l'attaquant de Manchester United, et à chaque fois il a eu soit la barre soit Rui Patricio devant lui. Tu vois Nico, pourquoi je te disais tout à l'heure que Dédé avait sa petite idée en alignant Martial et Coman, en mettant de la vitesse et qui aurait de la place dans le dos de ses défenseurs. Bah voilà, ils vont très vite, hein, que ce soit Martial même Coman, ça va très très vite, ça se projette très vite. Là, c'est une action, l'action qu'a décrit Jeannot, c'est une action dans les 16 mètres, et Martial il a honnêtement, allez, 2 mètres de retard sur son
sur son défenseur direct et sur le centre, il refait les 2 mètres pour passer devant son défenseur. C'est magnifique. C'est millimétré. Non, c'est vraiment bien joué. Mais la puissance d'accélération de ces joueurs-là, c'est impressionnant quand même. Oui, mais elle part de Loris cette action. Hein. Oui. Elle part du Loris. Hein. C'est bien, vous avez raison, mais j'aimerais de l'efficacité personnellement. Ouais, Martial, il a un petit peu de déchet, le pauvre. Non, mais ouais, les gars, bon. C'est ça le truc aussi. Mais là, c'est la faute à Patricio quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'autre, il fait des miracles. Ouais. Là, oui, mais bon, il tire à bout portant. Effectivement, il y a le braquet là quand même. Effectivement, c'est un très bel arrêt. Mais il avance bien, il va très vite. Tu sais, quand t'as un gardien, quand t'es attaquant, que t'as un gardien qui vient très vite comme ça face à toi, tu regardes qu'un truc, tu regardes le gardien. Moi, j'ai Giroud, il a mis lucarne là. Mais bon, allez, on avance, les gars. Il reste 2 minutes encore dans le temps réglementaire. Allez, Pavard avec Griezmann. C'est intéressant ce que fait Griezmann. Hein, le bon jaillissement de la part de Ruben Dias. Juste plus haut, Jeannot. Quand devant, il est devant plus haut, ouais. Ouais, tu as raison. Joao Félix qui récupère le ballon avec Cristiano Ronaldo sur le côté gauche dans la moitié de terrain de l'équipe de France. Et hop, on revient dans la moitié de terrain des Portugais avec le ballon de Guerreiro pour Ruben Dias qui laisse le ballon devant lui avec Danilo. On revient derrière pour, c'était William Carvalho qui revient derrière avec Fonte. Fonte pour Ruben Dias. Ruben Dias qui casse la ligne avec Cristiano Ronaldo. On joue rapidement à une touche de balle avec dans l'axe notamment Joao Félix et avec Guerreiro qui était monté, ce ballon de Danilo Pereira qui va aller chercher il va chercher son capitaine Cristiano Ronaldo, mais le ballon revient très vite derrière avec Ruben Dias. On renverse avec Fonte avec Bernardo Silva qui vient décrocher, chercher ce ballon entre Martial et Griezmann, et on revient encore une fois à droite avec William Carvalho. On revient maintenant à gauche à l'opposé pour essayer d'étirer cette équipe de France avec Bruno Fernandes qui va créer le décalage là-bas sur le côté droit en allant chercher Cancelo face à Hernandez. Le centre, il est contré par Lucas Hernandez et ce sera un corner dans la dernière minute, dans les dernières 30 secondes de la première période, avant de connaître s'il y aura ou pas du temps additionnel. Oui, il y aura un petit peu de temps additionnel. Le quatrième arbitre est allé récupérer son tableau lumineux et le corner va être frappé. Une minute en deux temps ou pas? Non, on va encore laisser le ballon à Bruno Fernandez. On va chercher la tête de Cristiano qui passe au-dessus d'Hugo Lloris, de la transversale d'Hugo Lloris qui a regardé ce ballon, et nous entrons à l'instant même sur cette minute de temps additionnel. Qu'est-ce qui saute haut Cristiano Ronaldo encore une fois, et pourtant Danilo était juste devant lui, presque masqué, pour aller attraper ce ballon, et ça flirte avec la transversale. Je pense, Lionel, Hugo Lloris était battu, hein, ouais, si ça vient sous la barre. Hein. Ah oui, non, ça vient à une vitesse. L'autre, il met un coup. Et Ronaldo n'a toujours pas marqué contre la France. Cinq matchs et demi, anomalie pour Cristiano Ronaldo. Il reste 30 secondes, messieurs, c'est ça le temps additionnel? Oui, dans le temps additionnel, 30 secondes, avec l'arbitre qui discute avec les joueurs, parce qu'il y a eu une faute avec ce ballon de la part d'Hernandez. C'est Cancelo qui fait la faute, qui met un petit coup au niveau des côtes. Et, le ballon est récupéré par Pogba avec Kimpembe, qui redonne à Pogba, qui donne dans le rond central à Raphaël Varane. L'arbitre a regardé son chronomètre, les dernières secondes de cette première période avec ce score de 0-0. Et voilà, le coup de sifflet à l'instant même de Tobias Tiller, l'arbitre allemand de cette rencontre, sur ce score de 0-0 entre le Portugal et la France. Les grosses occasions pour l'équipe de France. Une première frappe pour Cristiano Ronaldo à la 5e minute, détournée des 2 points par Hugo Lloris. Ensuite, c'est le festival rue Patricio. 10e minute, Coman qui va trouver la lucarne gauche. Rue Patricio, des 2 points qui dégage le ballon. 12e minute, Griezmann qui va chercher Martial dans le dos de Fonte. Le 1 contre 1 gagné par le gardien portugais. 31e minute, le coup franc de Griezmann, la tête de Varane, la reprise acrobatique de Rabiot, la tête de Martial sur la transversale. 41e minute, encore Griezmann sur le côté gauche, Lucas Hernandez qui centre au cordeau, Martial qui va tacler le ballon par un arrêt réflexe de Rui Patricio. Quelle belle première période nous avons vécue ici à Lisbonne ce soir, mais pour l'instant il y a toujours 0-0. Bonne mi-temps à vous, Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi. On débrief ça rapidement avant de retrouver Morgan Moritz. Morgan, rapidement, c'est la pause sur les deux pelouses, Allemagne et Espagne.
Oui, 2-1 pour l'Allemagne face à l'Ukraine. Les Allemands étaient menés 1-0 sur un but de Yarem Chouk et ils ont égalisé avec Leroy Sané, puis sont passés devant avec Timo Werner. Et dans un instant, la mi-temps sifflée entre la Suisse et l'Espagne au Parc Saint-Jacques de Bâle. 1-0 pour la Suisse face aux Espagnols. Réalisation de Freuler dans ce groupe numéro 4. C'est virtuellement l'Allemagne qui est leader. Messieurs, parlez-moi de ces 46 premières minutes de l'équipe de France. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez beaucoup aimé? Coach, on commence avec toi, Lionel, je t'en avis. Bah oui, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on a vu dernièrement, c'est sûr que là, on commence à ressembler à quelque chose, même si il y a cette déception avec l'inefficacité de Martial. Et je pense qu'on pourrait même faire mieux, même si, allez, on peut être content de cette première mi-temps. Lionel. Oui, bah le coach a tout dit. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé cette domination française. Bien sûr, on va. Il y a ce manque de réalisme, surtout du côté de Martial. Maintenant, je pense que l'homme du match, s'il y a eu ce manque de réalisme, c'est parce que l'homme